rock on, come hit me, mommy. Yeah. Tout déballé, ma lettre est comme un pachouka. Le wood, I mean, wood. Prochainement, Madame Biagi aura plus d'occasions et plus de temps s'exprimer devant nous, les Sénégalaises, et entendre, on sera à l'accompagnement de Solange, et ça avec plaisir. On dit la politique nécessaire. Oui, la politique nécessaire, surtout là, ici à Marseille, c'est la grande politique, le UMP, qui est quand même le maire de Marseille, qui nous soutient à Dakar, qui est jumelé avec Marseille, à Grande Marseille. Donc c'est une fierté, la première chose. Donc merci Solange, je vous remercie beaucoup de votre journée, d'avoir le temps passé ici. C'est vraiment un honneur pour nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez la parole. Oui, ben, écoutez, bonjour, bonjour Mamadou, merci de me donner la parole. Venez Sally, venez à côté de moi. Merci à Sally d'organiser cette belle rencontre des Sénégalaises, des femmes sénégalaises et de la communauté, pas que des femmes sénégalaises, et de toute la communauté sénégalaise. Avec Michel Azoulay, le premier adjoint du 2-3, nous sommes très honorés d'avoir été invités. C'est vrai que nous soutenons vraiment cette communauté qui est complètement intégrée dans la ville de Marseille, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses, avec François Savadogo aussi, qui est un de mes amis depuis longue date, et surtout le tonton de Karim Hugo, qui est mon
ami de très longue date. On travaille depuis très longtemps ensemble et on se connaît bien. Et on veut que la communauté sénégalaise ait encore plus d'impact sur la ville de Marseille parce qu'elle fait un gros travail. Voilà. Et en tout cas, vous êtes très importante pour la ville. Voilà. Et nous souhaitons aussi nos voeux de santé et longévité vous accompagne et pour permettre aussi de cette Marseille qui s'innove et qui se ressemble se rassemble. Et donc je pense que dans les respects des lois de la République, je pense que rien ne nous empêche de ne pas vivre à côté de l'autre. Et voilà, donc en tout cas vive la France, vive Marseille. Et voilà, et c'est la communauté marseillaise, c'est pas la tout communauté sénégalaise. Et puis il y a de très gros projets dans ce secteur, il y a de très gros projets dans le premier, deuxième et troisième arrondissement qui permettront de mieux vivre encore ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est monsieur Mbare Golom. Je viens de la Seine. Voilà, ma famille est là. Selon j'ai bien vu au conseil régional. Très bien. Départemental et de la Seine. Voilà. Et ça, c'est actuellement au maire. Ah bien, bravo. Alors là, c'est Oumou Hanidja. C'est la reine aujourd'hui.
mesdames, messieurs, merci de votre présence ici aujourd'hui, d'avoir répondu à cet appel de notre sœur compatriote, de notre grande dame ici présente, Sally Sow. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Ça commence. Donc je disais merci d'être parmi nous. Nous sommes très contents, très fiers de se retrouver ici, n'est-ce pas, à ce jour, samedi 22 octobre 2016, ici à Marseille, pour un objectif bien clair qui est le développement de notre pays. Il est évident que un pays ne peut pas se développer sans l'engagement de ses citoyens, sans les prises d'initiatives comme celle d'aujourd'hui que montre bien Madame Sally Sow. Donc nous sommes ici pour ce mouvement des femmes du Sud pour le développement du Sénégal. La cérémonie va se dérouler ainsi, il y aura des prises de parole. Nous allons donner la parole à un certain nombre de personnes. Bien évidemment, la dame de la journée, la grande dame de cette journée va ouvrir la séance par son discours. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Momad Ndiaye, qui est un responsable politique qui nous vient d'Aix-en-Provence. Et ensuite, nous donnerons la parole à Madame Mariam Koulibaly, qui est la porte-parole de ce mouvement. Ensuite, bien évidemment, nous interrogerons Madame Antoinette Mané, qui est bien représentée ici par la communauté Ndiago. Et nous donnerons aussi la parole à une grande dame, Adiaratou Aminata Ba, qui nous vient de Toulon-la-Seine. Et nous laisserons également la parole au public, à Absatou Djam et à Mbaré Golo. Donc, sans plus tarder, moi je vous présente, je suis le modérateur. J'espère que ça va très bien se passer. Je suis Paulé Camara et je vous viens d'Aix-en-Provence. Donc, bienvenue et je passe la parole à Madame Salimata Sow. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je suis très chaleureuse d'être devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Franchement, déplacé, venant de la Seine, venant de Aix-en-Provence. Et ceux qui sont à Marseille, qui sont déplacés aujourd'hui, uniquement à cette journée, vous pouvez dire que voilà, vous avez des occupations, vous ne pouvez pas venir. Mais je vous remercie vraiment chaleureusement de votre déplacement et de votre vraiment solidarité. Donc, j'organise cette réunion sur un objectif, c'est le mouvement bien sénégalaise du Sud pour le développement économique et social du Sénégal. Mais on est là en France, on est Sénégal ici et Sénégal au Sénégal. Donc, ce que je souhaiterais, c'est faire vraiment faire une visibilité des Sénégalaises dans la société française ici à Marseille. Donc ce que je souhaiterais, c'est toutes les Sénégalaises qu'on puisse être avec la société européenne et française, qu'on puisse travailler ici en France ou au Sénégal, qu'on soit visible. Je veux qu'on crée un lien entre nous, les Sénégalaises, et la société marseillaise ou la société française, ici où on est. Souvent, c'est les Sénégalaises qui sont ici. Elles n'osent pas aller en avant et dire oui, je vais aller me réveiller aujourd'hui, je vais faire une démarche pour créer une entreprise. Entreprise pour créer des emplois, entreprise pour sauver nos jeunes, nos enfants aujourd'hui qui sont là. Une femme sénégalaise, c'est pas juste, je n'ai jamais mon petit à l'école, et fini, je rentre à la maison, j'attends d'aller encore le chercher à l'école. C'est pas ça, je veux que la femme sénégalaise aille en avant, que la sénégalaise ose, que la sénégalaise est capable, dynamiste. C'est pas aujourd'hui qu'on dit la femme, hier, avant-hier, c'était une femme qui restait au foyer. Aujourd'hui, même les hommes ne veulent pas que la femme reste au foyer. Elle veut que la femme dise aujourd'hui, bon, je vais monsieur, je vais aller au travail, monsieur va dire, au revoir madame, je vais aller au travail. Mais il faut qu'on quitte le monde d'hier à l'hier, qui se dise, je reste à la maison. Il ne faut pas rester à la maison, il faut aller dans la société,
puisse en faire un lien, qu'on puisse faire des activités. Des activités dans le sud, nous les Sénégalais du sud, on ne crée pas souvent des activités. On ne connaît même pas peut-être. Voilà, on n'est pas informé, on n'est pas accompagné. Et du coup, on ne peut pas dire, voilà, aujourd'hui je vais aller là ou je vais aller là pour être informé. On n'est pas là. Moi, mon objectif du mouvement, c'est accompagner les Sénégalaises, laisser les êtres interroger sur, s'impliquer aussi dans la société, communiquer et travailler ensemble. Communiquer et travailler ensemble, c'est que nous, de temps en temps, il y en a des organismes qui organisent quelque chose et qui disent souvent, ah, nous, on ne connaît pas les Sénégalais, on ne voit pas les Sénégalais. Pourtant, il y en a, là, 90% qui sont à Marseille, on ne les voit pas. Pourtant, il y en a des millions. Mais elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas sur le terrain. Tout le temps, c'est que voilà, Sali a appelé aujourd'hui, toutes les Sénégalais sont à la maison. C'est dommage qu'on n'a pas la solidarité entre nous. Il faut arriver ça, il faut que la solidarité et la confiance reviennent en nous. Aujourd'hui c'est la scène qui organise. Oui, la scène a un baptême, un mariage, un décès, tout, malheur et bonheur sont ensemble. Et nous, on fait notre délégation, on dit voilà, les femmes, on va soutenir l'autre femme. Là, il n'y en a pas ici. Ce que je sens, c'est ça qui est dommage chez nous. Aujourd'hui, je dis voilà que ma cousine a quelque chose à organiser. J'avertis toutes les Sénégalaises du Sud. J'appelle mon téléphone, j'appelle tout le monde. Et bien, on va accompagner cette personne. Mais ce n'est pas cette personne qui appelle. Ah, c'est elle, là, j'y vais pas. Ah, bien, ça va se faire là-bas, non, j'y vais pas. C'est dommage pour nous. Toutes les autres communautés sont en solidarité. Il y a tous les Sénégalais et les Sénégalaises qui ne sortent pas de leur solidarité. Pourtant, on est solidaires. Nous, il n'y a pas plus solidaire que nous. On a un cœur, on parle chez nous, mais dehors, on fait rien. On ne nous entend pas, on ne nous voit pas. Et ça, j'aimerais bien qu'on travaille dans ça, qu'on travaille ensemble, la main dans la main, on crée ce lien-là. Je vous en remercie, merci. Je ne vais pas rester longtemps au micro, c'est la première fois. Ça me fait plaisir, je suis vraiment touchée. C'est une belle ouverture, c'est un bon début. Et on aura l'occasion d'encore faire plusieurs fois, d'élargir, de travailler. L'objectif, c'est de travailler. Pensons-nous, on est là aujourd'hui, demain il y a nos enfants. Demain il y a nos enfants. Il faut construire l'avenir des enfants, les jeunes qui sont dans le futur, ils vont aller dans le développement. Le développement du Sénégal, c'est maintenant, on le dit, mais c'est nos enfants qui vont profiter. Donc il faut construire. Aujourd'hui, voilà, ma tata est dans son foyer, à la maison, et là, les enfants ne savent même pas comment s'en sortir. C'est pas le RSA ou le RMI qui va faire vivre en France. Voilà, on ne peut pas, mais on n'ose pas. La Sénégalaise n'ose pas dire je vais créer une entreprise demain. Elle a peur de dire oulala, c'est difficile, c'est dur. Non, c'est pas vrai. On est humain comme tout le monde. Ils ont les bras et les jambes comme nous, ils réfléchissent comme nous. Il faut oser, c'est tout. Moi, je viens aujourd'hui, Fadi, elle me dit oui, je veux faire mon entreprise. Est-ce que tu as des impôts? Tu as des impôts? Oui, je l'accompagne. Il faut accompagner cette personne. Tu as des renseignements. Elle va faire, elle va y arriver, elle va le faire, elle crée son société. Et là, il y aura l'enfant. On a les jeunes qui sont ici dans les lycées, qui sont dans les écoles, qui disent, voilà, je vais travailler pour payer mes études. Il n'y a pas un Sénégalais qui a une entreprise en France pour employer un Sénégalais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Sénégalais ou Sénégalaise qui crée son emploi en France. Tu vas en restaurant sénégalais. C'est le monsieur qui fait le service, c'est sa femme qui fait la cuisine. Il va employer quand un jeune étudiant. On ne peut pas. Donc il faut qu'on sorte de ça. C'est pas après un petit restaurant, si je vois devant les mains qui vont me témoigner. Tu fais ton petit restaurant, tu te dis oui, si je suis deux, mon mari et moi, je peux m'en sortir. Mais si je prends deux jeunes, il faut que je les paye. Mais passe où il faut passer pour pouvoir les payer. Eux, ils pourront payer leurs études. Comme ça, ils vont étudier, ils vont, demain, ils vont servir le pays, ils vont te servir à toi-même. Comment on va faire? La femme sénégalaise, elle est entre le ménage. Elle a mal aux jambes ou elle a mal au dos. C'est normal, madame. Il faut que tu puisses autre chose. Moi, je suis là, je suis dans la restauration depuis des années, je suis à Marseille, ça fait 15 ans que je suis à Marseille. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 24 ans que je suis dans le développement. Comme je dis, dans le développement de mon pays. Moi, je suis entrepreneuse de mon projet, que j'ai avancé. Et ce que je voulais faire, c'est encourager les femmes de faire prendre l'exemple, faire comme j'ai fait. Créer des entreprises au pays. Et créer des entreprises au pays, c'est pour employer les jeunes au Sénégal. Éviter qu'ils aillent en immigration pour leur montrer la réalité. Je suis en France, mais je ne vis pas bien là-bas. Je suis venue créer une entreprise pour travailler, pour que vous en sortez mieux. Et pour les éviter, pour leur dire la vérité de l'immigration, tu prends un bateau ou tu prends l'avion, c'est pareil. On va se retrouver tous dans la même
Et ça, c'est ça que j'ai avancé là-dedans. Ça fait 4 ans que je suis là-dedans, je suis dans l'agriculture. Et j'ai fait un projet pour aider les jeunes de mon pays et donner l'autorité à la femme, qu'elle soit autonome. Il faut que la femme soit autonome sur ce qu'elle veut. Maintenant, il n'y a pas, bon, madame, je vais voir beaucoup, elle demande à son mari, elle doit aller payer l'école pour son enfant, il faut qu'elle demande à son mari. C'est fini ça. Maintenant, la femme, elle travaille, elle sort l'argent. Elle va dépenser. Mon oncle va travailler, elle va dépenser. Donc, dormir, ça fait du bien dans la famille. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut utiliser pour aller en avant. Tu peux dire, je veux aller vers le développement. Comment tu vas aider ton pays si tu fais rien? Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas aider ton pays. En tout cas, on va aller prendre ici 500 euros, le RSA ou le RMI, on va aller au Sénégal, on fait les vacances. Voilà, on fait les coucou, les jardinières et les bisous, ça y est, on montre qu'on vient de la France. Il faut éviter de montrer cette image. Moi, je viens, je prends tout le monde, je reste en tombe et en robe, je vous mets avec vous, et je vous explique la réalité, et je vous montre comment il faut faire. Et on va travailler ensemble. Qu'on s'en sort ici, qu'on s'en sorte là-bas. Ici, les Sénégalais, il faut changer la mentalité de dire telle personne a fait, j'y vais pas, ou pourquoi elle a fait ça, pour qu'on soit solidaire dans nous. Et on peut travailler ici. Que ce soit ici, Sénégal, en France, ou Sénégal, au Sénégal, on peut travailler. Et surtout la femme. La femme, elle est la première. C'est la femme qui a les notes dans le monde. Hein. Donc on ne peut pas passer devant nous, c'est pas possible. Là, on a pu remarquer la détermination et l'engagement de cette dame dans ce projet qui n'a qu'un objectif, le développement du Sénégal. Si on a bien synthétisé, je pense, son discours, elle appelle à l'union, à la solidarité, à l'audace, l'engagement, la détermination pour les générations futures. C'est vraiment ce que je trouve joli en tant que jeune dans son discours, c'est qu'elle ne se limite pas du sort de ces femmes d'aujourd'hui et de leur vie, tout simplement, mais elle songe à améliorer ou à assurer l'avenir de cette jeunesse qui sont vos enfants, finalement. Donc, je pense que l'enjeu est énorme. Et oui, les femmes doivent s'engager et aujourd'hui, je pense que les opportunités se présentent. Mais je pense que, comme on a l'habitude de le dire, « Gorba ne tient pas, te faut dire « Gorbu, am solo, te hao kone, te tiens n'a tiki nao ». Donc, am solo, franchement, bravo, Rafaela, et puis aussi l'autonomie de la femme. Je pense qu'aujourd'hui, la femme doit marquer son émancipation par rapport à l'homme, par rapport aux avancées technologiques, par rapport au monde moderne, tout simplement. On fait appel à l'intelligence, et je pense que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, et qu'elles sont dotées de toutes les qualités pour travailler et réussir ces projets. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à un grand monsieur, Mamadou Gaye, qui est un responsable politique et qui, nous espérons, en tout cas, c'est notre espoir, c'est notre souhait, qui contribue au développement de notre pays, le Sénégal. Il en a les capacités et je pense qu'un jour viendra, nous le verrons à l'œuvre. Monsieur Mamadou Gaye, vous avez la parole. Merci. Assalamu alaikum. Félicitations. Merci. Félicitations parce que je pense que pour toi, on a vu la détermination. On a vu une envie des gens, une personne qui veut avancer. Et je pense que c'est extrêmement important dans ce monde-là aujourd'hui. Une personne qui va avancer, il faut l'accompagner. Alors, l'État, peut-être que je vais parler en Wolof, l'idée de l'État pays, il s'appelle Yofi, Niara, Père de Tindé, Oussla Yakoa, les torches qui achètent le bord, on est dit, voilà plus une agrume des femmes au foyer, le nous sommes dans le monde de bord, on est dit, et donc on va être devant.
pour développer Je pense que Teddy, nous avons un suivant pour la politique au Sénégal. Comme nous avons ce qu'on appelle le plan Sénégal MSA. Objectif bilan, c'est le développement du Sénégal. Donc, quand nous avons été à quoi l'offre, c'est pour qu'on se développe. Pour le développement des femmes sénégalaises dans la diaspora et pour le développement du Sénégal de manière générale, je pense que nous devons encourager, soutenir-le, accompagner-le. Donc, pour le nous avons été à quoi aussi, nous devons savoir et aussi Teddy. Voilà, il y a un meilleur.
Pour répétition, ça les voit, la salle est à l'union.
On est derrière toi, on est à côté de toi, on est devant, on est derrière.
force vive et à la travers cette parole. Voilà, c'est rassurant, bien évidemment, c'est rassurant. Et, machallah, on va dire que vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous Alhamdulillah, waqtan bi yahna be pare tank nek rafetna et on va donner la parole à Afsat Tidiane, madame Afsat Tidiane. Salam alaikum, bandera.
Merci.
toujours Marie-Colo et on Marie-Colo. Quand il Marie-Colo a animé la solution, ou il y a une solution, ou on peut y avoir une colonne et il y a une suite au mouvement. Mais il y a des mouvements, il y a des mouvements, il y a des mouvements, il y a des mouvements. Tout est là. On a eu le mouvement. C'est terrible, le village de Saïd, où on a eu le mouvement. Saïd, on a eu le mouvement. Je suis allé à l'université, je suis allé à l'université, je suis allé à l'université, je On peut dire qu'on a tout le temps, on peut dire. Et c'est le papa qui dit le bâle de C'est le son qui dérive de mon succès. On carré à la Ukraine, et on carré à la Sénégalienne. Retard Sénégalien, coucou, on voit des succès pour nous. N'est pas de bon succès. Sur des lignes d'attente, on a retour. Domas, Domala, Mala, toujours c'est une maladie. Il faut inviter ça. Ne le voyez pas de mon succès pour nous. C'est un dame tour et un délire. On va voir. Donc nous, comme elle dit, il faut soigner ça. Nous avons un chiché, après avoir un chiché, nous avons 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 de menace. On a mal, et mal le pied, et mal le dos. Je suis venu à la maison.
Yeah.
Je suis très content, c'est pas beaucoup de valeur.
Et moi, je vous souhaite que vous continuez comme ça. On dit toujours, c'est le vivant qui fait la force. Ouais. Vous savez, aimer, on ne peut pas remplir les calebasses dans un vase. Il faut mettre les mains. Ouais. Aimer, on ne peut pas faire un bon gâteau. Il faut m'y dresser. Il faut qu'on nous pousse, on met la main dans les pattes. Pour qu'on arrive à faire un bon gâteau, sinon sans quoi, une personne ne peut pas. Madame Sow, il a essayé, je vous souhaite beaucoup de sens, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de dynamique que vous avez commencé et toute la confiance de la famille, vous savez, ici à la Seine, à Toulon et Montpellier, tout ça, on est tous ensemble. Mais vous savez, nous on est là. Mais il y a quelqu'un qui est en haut, ouais, qui nous regarde. Ouais, okay. Il sait qu'on a, c'est nous qu'on s'est mis différents. Mais moi, tout ce que je suis, pourquoi je suis à la mairie, c'est pas aujourd'hui. J'essaie avec tous mes amis sénégalais, des Maliens, Ivoiriens, des Camerounais, des Aïrois, tout le monde, des Gabonais, je suis avec tout le monde. J'ai dit que moi, je suis, mais je sais sans frontières. Quand j'arrive, si je peux sauver la personne, je demande ça à tout le monde. Madame Solène Biagi, j'ai grandi dans son village en Corse. Ce n'est pas maintenant que je le connais. Mais pourquoi il m'a accepté? Pour que je sois avec tout le monde. Il y a pas mal qui ne me connaissent pas ici dans cette salle. Bon. Pour les femmes, il y en a beaucoup qui viennent d'arriver. Mais entre nous les hommes, on était depuis. Vous connaissez Mamadou qui est un autre oncle qui est à la Seine. À la Seine, à Sanarila. Ah bien voilà. Et il y a ma fille qui s'appelle Mimi. Elle est à la Seine. C'est ça, oui. Et tous ceux qui on était à Toulon, on faisait tous la fête ensemble. Le 1er mai à Toulon, des fois on va à Toulon, des fois on est à Marseille, des fois à Montpellier, des fois on est à Nice. Avec tous les Sénégalais, on n'a pas de différence. Maintenant, on n'arrive pas. Pourtant, la terre n'est pas censée. C'est nous les aînés qui sommes censés. Ouais. Mais je l'aimerais bien que nous, nous enfants, de nous femmes qui nous suivent, pouvons continuer à nous suivre. Que nous, on ne vous lassera pas. Je sais que nous, on s'en va maintenant bientôt. Ils vont nous appeler ça. J'ai 78 ans. Je sais que c'est quelqu'un qui dit que je suis 20 ans. Alors donc moi, je vous souhaite beaucoup de continuation de cette association. Que c'est parce que tout le monde maintenant, c'est les femmes qui ont beaucoup de courage pour nous rassembler. Ça va être plus tard, même à la France ici, ça va être une femme qui va être plus tard. Ah ouais. On va dire non, 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 pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les femmes ne sont plus beaucoup évoluées, elles ne sont plus nombreuses, elles ne sont plus intelligentes. Nous, qu'est-ce que vous dites? Moi, je vous dis la vérité, même si on va à la mosquée, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui viennent maintenant à la mosquée. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que toi ou toi, c'est les femmes qui vont nous commander. Ah ouais, bien sûr. Voilà, c'est les femmes, vous voyez. Parce que tu vois, c'est plus grand. Je pense que c'est le plus grand. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, moi je vois beaucoup des associations au Sénégal qui font avec les Burkinabés, qui font des biens de qualité, qui font toutes les activités. Je voudrais que vous, à Marseille aussi, vous faites la même activité. Tôt ou tard, vous trouverez des gens, des femmes qui sont au pays, qui vont venir vous les voir. Voilà, je vous dis merci beaucoup. Voilà. Le mot de la fin, parce que vous dites. Donc, merci beaucoup. Je remercie énormément, énormément à ceux qui sont déplacés de la Seine, à Maba avec son équipe. Merci beaucoup de vraiment vraiment, je suis très très heureuse de ton acte que tu as fait. Quand je t'ai appelé, tu m'as présenté que tu as un voyage important à faire au Maroc. Et j'ai appelé tout le monde et j'ai dit c'est dommage que ma maman va au Maroc, ma mère va au Maroc. J'ai pleuré à partout. Hein. J'ai dit oh, ma mère est au Maroc, ma mère est au Maroc. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit Sali. J'ai réfléchi, j'ai pas réussi à dormir. Finalement, j'annule mon voyage. Je viens t'assister. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Je te remercie beaucoup. Je remercie mon oncle Tonton Barret qui a vraiment fait son acte.
qui n'est pas malgré ces femmes qu'on a appelées, mais on a se demandé les hommes qui viennent nous accompagner. Où il y a la femme, il faut l'homme à côté. On ne peut pas ni l'un ni l'autre, ce n'est pas possible. Il faut que les deux aillent ensemble. Il ne faut pas dire que c'est les femmes qui ont appelé, ah, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Non, il faut toujours être avec les hommes à côté. Les hommes, il faut que les femmes soient à côté. Là, on avance ensemble. La main dans la main, on avance ensemble. Ce qu'on va conclure aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de se revoir encore dans quelques temps, encore plus élargi dans les situations qu'on a dit, plus pour essayer encore de travailler ensemble. On va essayer de créer des activités avec vous aussi, avec son association, il y a des autres associations sénégalaises qui sont là. On va essayer de travailler ensemble, essayer de récolter quelque chose. Donc je remercie aussi Madame Solange Viagi, Jean-François qui est resté pour elle. Elle est là adjointe maire du 1er et 2e arrondissement. Elle nous a invité de la rencontrer la prochaine fois. Là, elle est venue, malheureusement, elle était beaucoup fatiguée, donc elle ne pouvait pas rester longtemps, mais elle a fait un joli acte. Je suis très heureuse qu'elle était là. Elle est venue avec Michel, l'adjointe du maire aussi. Donc je remercie l'équipe ex, Maman Mia et Foudi Camara, et nos compatriotes qui sont venus avec. Je vous remercie énormément, énormément le soutien que vous avez avec moi depuis à la fin. On est ensemble, on va me trouver qu'on est ensemble et on sera toujours ensemble. On avance ensemble. Donc on est jeune, on est dynamique, on veut le prouver. Il faut être sur le terrain. Il faut oser, il faut avancer. Donc on avance ensemble, comme il m'avait dit mon mal. Même malgré que tu demandes 20 personnes, il y en a 5 qui sont là. Ces 5 qui sont motivés là, c'est les 5 là qu'il faut avancer ensemble. Il ne faut pas voir le nombre, il faut voir la quantité qui est vraiment capable de faire quelque chose. C'est là que c'est intéressant. Mais moi, je me lève, c'est pour travailler. Si c'était juste fait chez moi, je suis mère de famille, je vais mon mari, je suis chez moi, je travaille, je reviens à la maison, je suis fatiguée, je mets mon tournage, je regarde la télévision sénégalaise, c'est pas ça qui me réveille. C'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif. Il faut qu'on sorte de ça, qu'on aille en avant, qu'on va travailler ensemble. Moi, je suis là, je suis disponible pour tout le monde, pour toutes les portes, tous au sud, toute la femme sénégalaise, on se battra ensemble. Quelqu'un a une question, et a une idée à proposer, on travaille là-dessus, on va travailler ensemble, on va travailler là-dessus. Et le point, on le travaille très bien. Mais il ne faut pas rester dans un coin et dire je veux travailler. Mais comment est-ce qu'il faut travailler si on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas où tu es, on ne sait pas qui tu es. On ne peut pas travailler avec une personne qui est invisible. Là, il y a un voilà. Parce qu'on a un devoir absolu et donc sa vie a mérité.
qu'elle est tout comme un projet, elle se dirige et se trouve toujours une femme. Aujourd'hui, de plus en plus, les politiques sont convaincus, une nation un peu sympathique avec les femmes. Vive les femmes, vive le progrès, vive notre beau pays dit émergent, parce qu'il faut y croire, parce qu'on a le droit de rêver. Et ce rêve-là se réalise parce qu'aujourd'hui, nos pays sont dans. D'abord, c'est un petit pays dans la tour des grands, maintenant on a le pétrole, maintenant on a le gaz. Maintenant, ça reste à tout à faire. Mais je pense qu'il faut confier cette tâche aux femmes. Les hommes, irremplaçables, mais les femmes ont joué une autre notion de développement de ce beau pays et de ce pays. Voilà. Que tout le monde sauve, chacun de nos familles au Sénégal a une signification. Si tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu vas. Nos pays de Fouta, aucun gouvernement depuis Senghor, depuis Abidjouf, depuis Ouad, depuis Maki, Dieu se le sait, il est de nos efforts, de nos cotisations, même pour accompagner, quelle que soit la peau de notre cadavre, mérite d'être enterré. On est de tous accompagnés. Donc, vive Fouta, nous voilà être sur le coup d'arrivée, tous les efforts de nous-mêmes. Ça s'arrête à faire le temps de travail et plus. Merci. Thank you.